Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur News Reborn dans une autre vidéo audio comme une autre vidéo sur PayPal. Surtout que c'est notre première vidéo du jour, c'est extraordinaire. Applaudissez s'il vous plaît, mes frères, c'est extraordinaire. Wouh, quel que soit ce que vous traversez dans la vie, mes frères, soyez relax. De toute la façon, si vous êtes un vrai chrétien, vous savez qu'après la mort, vous irez au ciel. Voilà. Mais ici, c'est dans notre palais, ce n'est pas de la mort. Nous parlerons de la musique. L'histoire de quatre musiciens, quatre personnes qui sont dans la musique, qui font tout pour réussir, mais ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ils font tout ce qui est à leur possible pour que ça marche. Même ils organisent des concerts, ils organisent des choses. Quand les gens arrivent, c'est pour leur lancer des pierres sur le visage. Et voici que un jour, ils vont s'asseoir. Et ils vont décider de faire ce qu'ils n'ont jamais fait, ce qu'ils n'ont pas encore fait pour avoir du succès dans la musique. C'est ainsi que ces quatre personnes-là vont décider de se rendre sur un féticheur. Quand ils vont se rendre sur le féticheur lui aussi, il va leur dire ce qu'il faut faire pour avoir du succès. Il va leur dire que ce qu'ils vont faire, il va les amener même à tuer quelqu'un. Et ce sacrifice sera répété chaque mois ou chaque 3 mois. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Eux aussi, puisqu'ils échouent à tout, ils se sont dit, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer? Si c'est pour faire un sacrifice, nous sommes prêts. Ah! Et voici que ces 3 vont maintenant décider de tout mettre en œuvre pour réussir. Le premier sacrifice consistait à tuer une chèvre et enterrer cette chèvre-là quelque part dans leur maison. Et chaque fin du mois, eux, ils devaient maintenant tuer une fille, une femme, une fille, c'est-à-dire une personne de sexe féminin. Est-ce que vous voyez? Voilà, il tue une femme et on prend son sang pour verser sur la partie où est enterrée la chèvre. Et quand ils le font chaque fois, eux, leur succès augmente. Et quand ils ne le font pas, ils meurent, leur succès meurt. Donc c'est un rituel qu'ils ont accepté. Ces gens-là, ils ont accepté de le faire. Et depuis qu'ils ont fait ce pacte-là avec le diable, ils ont commencé effectivement à avoir du succès dans la musique. Partout où ils vont, on ne lance plus de pierres maintenant. On les accepte. Et leurs concerts sont remplis. Surtout les samedis. Ah, qu'ils organisent des concerts. Toi, mais tu es chez toi à la maison. Tu as envie de partir à leur concert comme ça. Ah, tu es là, tu dis, oh, même si je n'ai pas 1 euro dans mon porte-monnaie aujourd'hui, moi, je vais arriver là-bas. Mais tu ne sais pas que tu es sous l'effet ou encore tu es envoûté par cet esprit qu'ils adorent, à qui ils offrent des sacrifices pour les succès. Parce que sans ça, toi tu ne peux pas être mouvementé comme ça. Est-ce qu'avant tu t'es mouvementé comme cela? Non. Donc c'est quand ça se passe ainsi que toi tu es séduit. Et eux c'est ce qu'ils faisaient. Quand ils organisent des concerts, il y a beaucoup de personnes qui y arrivent, y compris les femmes. Et à la fin de leur concert, il y a leurs fans qui sont des filles, les filles. Elles veulent rester avec eux juste pour la notoriété, juste pour qu'on dise qu'on parle d'elles, on dise qu'elles sont comme ceci, elles sont comme cela, juste un peu de notoriété. Ou un peu les filles là, elles aiment tellement briller. Ah, qui n'aime pas briller, qui n'aime pas bonheur. Mais bonheur, tu vas chercher là, c'est un mauvais endroit, nous allons te dire. Waouh, mes frères et sœurs, c'est incroyable. Et quand ces filles-là les suivent, juste après leur concert, ce qui se passe, c'est que ils attrapent certaines filles et ils les sacrifient. Ils sacrifient leurs fans. Quand la fille est tuée, c'est son sang qui sera maintenant pris et versé sur l'autel du démon. Et nous, quand on les voit chanter à la télévision, tout le monde veut être comme eux. Ah, ils sont jolis! Oh,
Oh, il est comme un chef. Aïe, 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 aïe. La maman me va voir son enfant, elle va dire, mon fils, regarde, fais comme eux, fais comme eux. Ou bien le père va dire, mes enfants, mais eux, s'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas les bonnes choses. Regardez le gars là, il chante quand même bien. Hein. Et quand vous entendez le son de, du guitariste, aïe, 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 vous êtes touché. Même les chrétiens, ils ne savent même pas quel esprit est lié à ce musicien. Lui aussi se met à chanter la chanson. Il chante la même chanson, il danse, matin, midi, soir. Il danse, il quitte à l'église, il vient, il danse sur le feu de la même chanson. Et ça ne lui dit rien. C'est donner une partie de plaisir pour eux. Et c'est ce que ces gens-là faisaient jusqu'à ce qu'ils aient eu du succès. À un moment donné, vous connaissez, les gens qui commencent à faire des groupes de musiciens, quand ils commencent à avoir du succès et que l'argent commence à prendre l'ampleur, ils décident maintenant de se séparer. C'est ainsi que ce groupe de musiciens-là, ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés, il y a un d'entre eux qui s'est trouvé en Europe. Lui, il a quitté le groupe. Donc, depuis qu'il a quitté le groupe, il ne faisait plus de sacrifices. Lui, je disais que c'est fini. Il a déjà son succès, il est connu. Donc, même s'il ne fait plus de sacrifices, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Et c'est ce qu'il faisait. À un moment donné, le féticheur est apparu parmi eux, les trois autres qu'il a laissés dans leur pays. Et le féticheur leur a dit qu'il y a longtemps vous ne faites plus ces sacrifices. Il y a longtemps vous ne donnez plus des choses en sacrifice aux démons que vous adorez. Ou encore auquel vous êtes lié, ou encore auquel vous tirez, c'est-à-dire là d'où vous vient votre puissance ou encore votre succès. Si vous ne faites pas, vous allez mourir un à un, c'est-à-dire vous-même vous serez sacrifié. Ah! Là il y a un danger, là il y a un problème. Dès que ce féticheur a révélé cette information, immédiatement ces trois personnes-là, ils ont appelé leur ami qui s'est séparé d'eux, qui allait continuer sa carrière solo en Europe. Dès qu'ils l'ont appelé, lui aussi, il a décroché. Et ils lui ont dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir pour qu'on puisse faire le sacrifice? Parce que voici ce que le féticheur a dit. Si tu ne viens pas pour qu'on fasse le sacrifice, toi, tu vas avoir des problèmes. Ou encore, tu ne vas pas voir l'année prochaine. C'est-à-dire l'année prochaine, toi, tu ne verras pas cela. L'année prochaine, c'est quand? C'est 2020. Donc toi, on dit, si tu ne vas pas les sacrifices, toi, tu ne vas pas voir l'année 2020. Ah! Lui aussi dit, oh, laissez-moi tranquille, ce sont des histoires. C'est quand je dis, moi, je fais ma carrière solo, si ça marche pour moi, je sens que je fasse des sacrifices. Mais de quoi vous me parlez? Donc le gars, il a négligé la chose. Il a même négligé. Et c'est ainsi qu'il est tombé malade quelques temps plus tard. Et quand il est tombé malade, ses amis qu'il a laissés, ils ont fait une chanson spécialement pour lui. Et cette chanson-là parlait de lui, de loin comme de près. Et cette chanson-là disait que si lui ne vient pas faire les sacrifices, ou quoi, si lui ne vient pas faire le sacrifice, il ne va pas voir la nouvelle année. Et dans cette chanson-là, il disait que si tu ne bois pas le vin avec nous, toi, tu ne verras pas la nouvelle année. Donc, viens rapidement, on va faire ce qu'on doit faire comme d'habitude. Et c'était une chanson, c'est les paroles de la chanson qui sont là. Et tous les fans du pays, eux, ils n'ont rien compris. Un, ils ne pouvaient pas savoir que ces musiciens-là, ils sont liés à un démon qui leur donne leur succès. Et que c'est ce démon-là qui est censé être celui-là même qui les maintient à ce niveau-là. Et ils doivent faire des sacrifices comme ça. Et que ces chansons-là même qu'ils ont faites là, ils ont fait la chanson juste pour informer leurs amis. Que s'il ne veut pas faire le sacrifice, il va mourir. Et ils ont fait la chanson
pour que leur ami qui est loin d'eux, qui se trouve même en Europe, de là-bas puisse entendre la chanson, puisque la musique ou encore la chanson va très loin. Vous voyez, il y a Internet. Donc toi, tu peux facilement écouter la chanson. Et leur ami, lui, quand il entend, il écoute la chanson, il sait que c'est de lui on parle. Il sait que c'est de lui les questions. Et il s'étonne. Mais il a banalisé la chose, dit oh laisse tomber. Et voici comment il est tombé malade et il est mort. Quand il est tombé malade et il est mort, ils ont envoyé son cercueil, ils ont transporté son cercueil depuis l'Europe. Exportation directe. Et ils ont envoyé son cercueil dans leur pays. Et ils l'ont même enterré même dans les cimetières où on enterre tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont sacrifiés. Et lui aussi, il est mort. Et tout le succès qu'il avait eu, tout l'argent qu'il avait eu ne lui servait à rien. Il est mort. Quand il est mort, il est resté trois personnes. Les trois personnes qui sont restées là, elles aussi, elles étaient en train de regarder la situation et elles ont commencé à avoir peur. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment je vais faire? Voici que le sacrifice aussi qu'il faisait, ça ne marchait plus. Et l'un des trois qui sont restés est tombé aussi malade. Et quand il est tombé malade, lui aussi il est mort. Le deuxième aussi est tombé malade. Quand il est tombé malade, lui aussi il est mort. Le dernier, avant de mourir, il dit va se confesser. C'est là qu'il allait chercher Jésus. Et c'est là les choses ont bien tourné pour lui. Et Dieu a pu le délivrer de cette histoire. Si vous êtes connecté à de tels démons et que vous avez de tels problèmes, vous avez fait de tels sacrifices, cherchez un vrai homme de Dieu qui va prier pour vous. Puisqu'il y a beaucoup de faux, nous allons vous dire, cherchez Jésus. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut vous aider. Celui peut vous permettre de sortir de cette prison de laquelle vous êtes entré. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut vous faire sortir de cette mauvaise affaire dans laquelle vous êtes mis. Lui seul a le pouvoir de le faire. Donc faites-le. Mais vous devez aussi vous confesser. Et vous devez vous confesser. Les filles que vous avez tuées là, qui sont même vos fans, qui vous aimaient tant. Leurs parents sont là, leurs parents les aimaient. Et leurs parents avaient besoin de savoir ce qui s'est passé, pourquoi ces filles-là sont mortes. Aujourd'hui, vous voulez tout dire. Afin que leurs parents puissent savoir au moins comment leur fille est décédée. Je pense que c'est normal. Donc, l'homme qui est dans de telles voies pour avoir le succès, franchement, c'est une mauvaise voie. Et aujourd'hui, il y a une chose qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les gens introduisent aujourd'hui dans la musique des symboles occultes, même dans les clips, Quelqu'un va se mettre à chanter pour avoir du succès, parce qu'il sait que lui-même là, il chante bien, mais il a tous les talents, mais il n'a pas de succès. Donc il arrive dans l'industrie de la musique, on lui dit, oh, pour pouvoir réussir, il faut faire tel sacrifice. Et lui aussi, il se dit que oui, c'est vrai, je dois faire le sacrifice. Et c'est là qu'il va se lancer maintenant dans toutes les sortes de sacrifices. Ou bien, l'impact avec le diable. Ah! Les gens veulent faire l'impact avec le diable. Et les gens vont jusqu'à signer un accord avec leur sang. Et il y a un démon qui apparaît après. Et le démon là, les suit toujours. Et ce démon là, c'est celui-là même qui même prend leur place, même quand ils sont sur le podium en train de chanter. Une artiste célèbre qui l'a dit, hein. Elle a dit que moi, franchement, je ne suis pas capable de faire ce que vous me voyez faire sur le podium. En fait, quand il vient sur le podium et qu'il lève les mains vers le ciel, il y a un esprit démon qui prend la place. Et c'est ce démon-là qui chante même à ma place. C'est lui que vous voyez danser. C'est lui-même que vous voyez chanter. Ça veut dire aussi que la musique que tu vas écouter là sera une œuvre du monde des ténèbres. Et si toi tu fais pas attention à la musique que tu écoutes, tu vas écouter une chanson chantée par le démon ou quoi par le diable.
Et cette chanson-là va te piéger. Parce que les démons que tu étais en train de chanter, c'est-à-dire cette chanson que tu étais en train de chanter là, c'est une chanson qui est orientée directement vers Lucifer, le diable, Satan. Et le diable va tirer sa gloire de cela. Et ça risque de, tourner, ça risque de finir mal pour toi, mon frère. Ça risque de finir mal pour toi, ma soeur. Ça veut dire que la musique, c'est un danger pour toi. La musique profane, la musique où on n'adore pas Dieu, où toi-même tu vois même les fesses des femmes, les fesses des femmes qui sont exposées, même tu vois toutes ces choses, les symboles occultes. Et les gars ferment un œil dans leur clip. Eux-mêmes te disent que ce ne sont, sont pas des simples clips, ce sont des clips avec des messages subliminaux. Et toi tu penses que c'est juste pour rigoler. Ma soeur, le danger est que même leurs fans sont sacrifiés. Dans le cas où leurs fans même qui les accompagnent sont sacrifiés, qu'est-ce qui se passe? C'est un problème. C'est pourquoi Dieu lui-même l'a été gentil et nous a dit n'aimez point le monde, ni les choses de ce monde. Car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Ça veut dire que toi, tu es en train de pécher quand tu commences à aimer les choses qui se trouvent dans le monde. Que Dieu nous donne la force de nous en débarrasser. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi à Metaclic, à Coach Plativé, pour voir toi pour la prochaine vidéo. C'est extraordinaire. Nous remercions tous ceux qui sont abonnés et qui nous suivent, qui nous regardent, qui laissent même un j'aime à la fin de chaque vidéo. Ça nous fait plaisir. Nous remercions également tous ceux qui nous ont soutenus sur notre chaîne Hightech Young Studio 4D. Nous venons de dépasser les 1000 abonnés aujourd'hui. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est grâce à vous que Dieu bénisse, frères et sœurs. Merci.